Alors bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, le Talk Décideur confiné où je reçois aujourd'hui pour le Figaro Maître Vey, Antoine Vey qui est associé au cabinet Dupont-Moretti et Vey donc qui est confiné chez lui au Puy-en-Velay je crois en Auvergne. La rue La Boétine vous manque pas trop Maître, bonjour. Si, je pense que ça manque à tout le monde, son univers quotidien. Mais bon, on n'est quand même pas non plus dans une situation trop dramatique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est très difficile, les gens qui sont seuls ou les gens qui sont confinés dans des endroits plus petits. Moi, j'ai de la chance, je suis en Auvergne, le temps est clément et tout va bien. Donc vous êtes en famille, donc avec les règles du télétravail, pareil, donc on arbitre cette vie professionnelle d'un côté et la vie personnelle de l'autre. Donc là, vous êtes, bon, j'ai l'impression que vous avez un bureau, vous pouvez être un petit peu tranquille. Comment est-ce qu'elle se passe concrètement, vos journées d'avocat confiné, maître? Là, il n'y a plus de contact physique. Normalement, un métier d'avocat, on est tout le temps avec ses clients, avec ses collègues. La notion physique est très importante dans ce genre de métier. Là, elle est complètement absente depuis quelques semaines. Non, parce qu'en réalité, les visioconférences, par exemple, ou les appels téléphoniques font beaucoup, et qu'un avocat pénaliste, il n'a pas vraiment l'habitude de passer son temps dans un bureau. Donc, on est toujours dans la même activité au regard de la production. Ce qui change, c'est vraiment l'absence de juridiction et donc l'absence de procès. On pourrait, si j'étais resté à Paris, je me serais peut-être inscrit sur des listes pour essayer de faire de la défense d'urgence. Confinement oblige, en Auvergne, il n'y a pas de crimes qui sont commis, je ne sais pas comment ça s'organise, mais en tout cas, non, ce n'est pas quelque chose qui, pour le moment, pollue notre activité. Le cabinet est toujours en cours, on reçoit des appels, on traite des emails, on appelle nos clients. Donc, pour l'instant, je ne dirais pas que je constate des évolutions importantes dans l'organisation du travail. Ouais. Donc pour vous, ce n'est pas une perturbation énorme. Qu'est-ce qui vous interpelle en revanche dans la façon aujourd'hui dont la justice s'adapte à cette période de confinement? Qu'est-ce qui vous frappe vous, quand vous voyez tout ça? Bah là, pour le coup, il y a vraiment matière à être choqué en réalité. Dans un premier temps, on comprenait toutes les nécessités que la crise induisait sur le fonctionnement de la justice. Le fait qu'on puisse pas se déplacer dans les palais. Alors, on a eu des mouvements qui étaient assez contradictoires d'ailleurs, des magistrats qui ont voulu maintenir des audiences coûte que coûte à un moment où on nous demandait de ne plus nous manifester. On a eu le premier jour du confinement une session d'assises où le président voulait absolument tirer au sort les jurés avant de les renvoyer chez eux, ce qui n'avait effectivement pas de sens. Et ensuite, on a constaté, j'ai envie de dire un peu pantois, l'ordonnance qui a organisé, on va dire, le temps de crise. Et qui contient des mesures qui, pour un avocat, et même si on est en temps de crise sanitaire, sont totalement inexplicables et surtout inexcusables. Un exemple que les gens peuvent comprendre, c'est le fait de renouveler de manière automatique la détention de gens qui actuellement sont détenus et donc qui vont pouvoir être maintenus en détention sans avoir accès à un juge. Ça, c'est totalement inouï et ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays. Donc ce que vous dites, donc vous êtes choqué par la façon dont le monde de la justice s'adapte à cette période de confinement, il faut bien le dire, assez exceptionnelle. Est-ce que justement le caractère exceptionnel de la situation, c'est pas, entre guillemets, est-ce que vous pensez que le scénario n'avait pas été préparé assez en amont par la justice française? Enfin, c'est quelque chose qui était vraiment, qui était complètement, enfin c'était pas un scénario envisageable, c'est quelque chose qui pouvait pas arriver? Non, mais il y a deux choses. Première chose, il est évident que ça n'avait pas été préparé. Vous avez une déclaration qui dit le jeudi, je crois, on ferme les écoles. Le vendredi, on ferme les bars. Le samedi, on ferme les établissements accueillant du public. Et le dimanche, dans l'après-midi, on décide de fermer les tribunaux. Soit on savait déjà tout ça et il aurait fallu l'annoncer le jeudi, soit en réalité, on a compris que ceux qui mettent en place ces mesures se sont adaptés petit à petit. C'est pas pour leur faire un mauvais procès, mais c'est pour dire qu'évidemment, tout ça n'avait pas été adapté et anticipé. On a eu au niveau de la justice deux textes. Premièrement, une circulaire ministérielle assez incompréhensible qui est parue un dimanche, puis quelques heures plus tard, l'explication de cette circulaire. Donc, en réalité, tout ça n'avait pas du tout été anticipé, premier point. Et deuxième point, ça a posé des questions qui ont été tranchées, à mon sens, toujours de la même façon, c'est-à-dire c'est l'administratif qui a prévalu. Et par exemple, on a toujours donné la primeur à la détention,
et jamais à la liberté, ce qui est un peu symptomatique de la façon dont on envisage les choses au niveau de la justice. Je vous donne un exemple. On a refusé, on a rallongé le droit d'appel pour les gens qui sont maintenus en détention ou les justiciables. Mais par contre, on a maintenu ce qu'on appelle un référé détention qui permet au parquet et donc de maintenir quelqu'un en détention et d'obtenir une audience dans les 4 heures. Donc, on a maintenu tous les mécanismes dérogatoires et j'ai envie de dire les plus complexes à organiser. En 4 heures, il faut se réunir ensuite chez le président de la chambre de l'instruction, enfin, c'est tout un bazar. Ça, on l'a maintenu. Mais parallèlement, on n'a pas donné aux avocats la possibilité d'avoir, on va dire, une mesure accélérée qui, quand vous avez un client vulnérable, qui est atteint de la maladie, du Covid, ou qui a une situation très particulière en fin de peine, aurait permis d'aller beaucoup plus vite, de signaler ça à un juge et que la personne soit remise en liberté. Donc, je considère que ça n'avait pas été préparé et que les mesures qui ont été prises n'étaient pas forcément les meilleures. Voilà. Donc, pour vous, très clairement, si on résume ce que vous venez de dire, donc c'est tout ça finalement est fait de façon un peu artisanale et au jour le jour. Donc là, à l'heure où les médias, où tout le monde parle déjà de l'après-crise, de l'après-confinement, pour vous, il y a déjà des leçons à tirer, enfin, aujourd'hui. Non, mais c'est surtout qu'en fait, malheureusement, et ça, tout le monde peut le déplorer, la crise va, à mon sens, mettre en lumière les carences béantes de l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, peut-être comme l'hôpital, l'école, moi, je ne connais pas les autres administrations, mais l'institution judiciaire est une institution exsangue qui fonctionne. Et avant même cette crise sanitaire, c'était évident, sans moyens. Avec des magistrats qui tiennent un petit peu les choses. Il y a beaucoup de présidents de juridiction qui se sont exprimés là depuis le début du confinement pour dire que voulez-vous, ils en sont à amener eux-mêmes le papier toilette dans la juridiction ou à siéger jusqu'à 4 heures du matin. Donc la crise va évidemment aggraver cette situation et est-ce que ça va permettre une refonte ou est-ce que ça va conduire à un écroulement? Ça, je pense que c'est ce que tout le monde se pose comme question. Donc de votre côté, si on retourne en interne chez Dupont-Moretti-Évêque, donc avec les collaborateurs, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre avec votre associé, Éric Dupont-Moretti, que vous avez, j'imagine, relativement souvent en conf call, comme c'est notre cas ce matin? Ça se passe comment? Non, avec Éric Dupont-Moretti, on fait des calls, enfin des appels téléphoniques, parce qu'il n'aimerait pas qu'on anglicise un mot qui existe en français, et on ne les fait pas en visio, sauf quand c'est quelque chose d'amusant. En fait, je pense qu'il y a plusieurs périodes. Il y a une première période de les 15 premiers jours ont été assez marrants pour ceux qui, malheureusement, ou enfin pour ceux qui, heureusement, pardon, n'étaient pas marqués par la maladie, qui n'ont pas de proches, etc. On est retourné chacun dans nos campagnes ou alors on s'est installé un bureau dans nos appartements. Et je pense que l'idée de constater qu'on pouvait communiquer, travailler, etc. Et puis qu'on pouvait aussi s'occuper un petit peu de nos petites affaires n'a pas été désagréable. Là, on rentre dans une phase où on mesure qu'en réalité, ce n'est pas une petite parenthèse et on est en train de vraiment s'organiser. Bon, pour nous, ça, on a de la chance d'être assez résistant. On a du travail. On est organisé pour ça, et voilà. Mais c'est vrai que c'est une situation inédite. Et votre travail, justement, on en parlait un petit peu au tout début de notre discussion, mais avec vos clients, la teneur des discussions, qu'est-ce qui change, qu'est-ce que vous observez, vous qui travaillez quand même beaucoup Ben, on observe, non, mais nous on l'observe dans un sens où on a des clients récurrents avec lesquels on échange beaucoup, qui continuent à avoir leurs problématiques, qui ont des questions sur comment la crise va impacter, etc. Il y a évidemment une grande question qui est une ligne conductrice pour les avocats, c'est est-ce que ça remet en cause les rapports contractuels, est-ce que ça doit conduire à des modifications dans mon entreprise, sur lequel on est parfois conseillé, après sur, enfin plutôt sollicité, et puis, deuxièmement, au niveau du pénal, nous, on a beaucoup de détenus donc, qui sont nos clients. Donc, on suit un petit peu comme un médecin urgentiste leur situation pour savoir s'ils sont malades, comment les faire sortir, etc. Ça, c'est devenu un petit peu en ce moment le quotidien, c'est-à-dire ça s'assurer qu'une personne qui est en détention reçoit un traitement juste. Ouais. Et justement, terminons là-dessus sur on en a un peu parlé dans les médias, mais la détention dans les prisons, comment ça se passe? Le parloir, c'est terminé. Comment se passe le confinement de votre regard extérieur, évidemment, d'avocat pénaliste?
Ben, c'est très compliqué de l'apprécier quand on n'est pas soi-même à l'intérieur des Ouais. murs. Ce qu'on a, c'est des détenus qui nous appellent, parce que vous savez que dans les prisons, il y a des facilités d'appel, notamment dans la maison d'arrêt de la santé qui a été rénovée récemment. Déjà, on voit une grande disparité. Il y a ceux qui ont accès au téléphone, il y a ceux qui nous appellent, et puis il y a ceux dont la situation est totalement différente parce qu'ils sont dans des vieilles maisons d'arrêt et ils sont vraiment coupés du monde. Vous avez vu qu'il y avait une mutinerie qui avait commencé en Guyane. Moi, juste avant le début de la crise, on a quand même réfléchi. J'avais fait une petite mention pour dire ça va vraiment exploser. Et je pense que ça va exploser. C'est-à-dire que en Italie, il y a eu des mutineries majeures. Et en France, je pense qu'il faut prendre en compte l'idée suivante. Comme je le disais pour l'administration judiciaire, l'administration pénitentiaire, quand les choses ne sont pas saines, une crise les purge. Donc, on va voir comment ça évolue, mais je pense qu'il va y avoir, j'espère, une réflexion positive sur la prison, la façon dont on enferme des gens et l'utilité de cette peine dans une société qui se veut en mutation. Merci, Maître Vett. Dernière question. Vous me disiez tout à l'heure en off, avant qu'on commence l'interview, ce qui vous manquait le plus, c'était les déjeuners, enfin les dîners, le contact humain. Vous pensez pouvoir tenir combien de temps comme ça, sans Non, voir mais moi je personne? suis. Moi, je suis très tranquille. D'abord, je suis dans un cadre qui est mon cadre familial et natal, donc je peux tenir très longtemps. Après, c'est sûr que ce qui est évident, c'est qu'une visio, ça remplace pas le fait de pouvoir se voir, avoir un contact. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la justice, vous voyez, quand je vois que le projet de réforme, c'est de modifier les audiences par des visioconférences. Bah, si vous voulez, le détenu qui est dans sa petite salle et qui voit le juge comme je vous vois aujourd'hui, pour moi, il n'a pas accès à une vraie justice. Donc j'espère qu'on va revenir rapidement au monde réel. Cependant, moi j'ai une pensée pour ceux qui ont des vraies difficultés, les gens qui ont été hospitalisés, les familles, etc. Et je peux dire que pour tous ceux qui ont juste comme problème de ne pas dîner ou de ne pas voir leurs amis, c'est très petit comme point de vue. Et donc, je pense que tout le monde doit être solidaire et respecter un tout petit peu les conditions qui sont les nôtres, qui, encore une fois, sont tout à fait supportables. Absolument. Merci infiniment, Maître Vett, d'avoir discuté dans ce talk décideur confiné depuis l'Auvergne et le Puy-en-Velay, je crois. Merci infiniment et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.